Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miamao, c'est une artiste et DJ et productrice californienne que l'on reçoit ce soir, qui a commencé son parcours musical à Paris et que nous recevons. Bienvenue ici à Vie. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous poser trois questions. Alors, je vais essayer de parler un peu plus lentement. J'ai un débit, des fois, qui parle un peu vite parce que vous êtes américaine. Et vous parlez bien le français. On a parlé là tout à l'heure, juste avant le talk. Donc, je vais parler tranquille, ne vous inquiétez pas. Merci. Je vais commencer par trois questions, si vous pouvez m'y répondre rapidement. Si vous étiez une chanson emblématique de la musique électronique, laquelle seriez-vous et pourquoi ? Je choisirais Free Fall par Kate Renata, parce que ça me rappelle le sentiment liberté. Si vous étiez un sentiment que vous cherchez à transmettre à travers votre musique, lequel seriez-vous et pourquoi ? Un sentiment, la liberté, parce que j'adore l'ouverte esprit. Ouais. Et c'est un sentiment que j'aimerais bien faire écouter à les gens quand je mixe ou quand je produis. Ouais. Et aussi, c'est mon personnalité. Ouais. Et c'est présente dans mon processus de créativité. De créativité. Oui. Mm-hmm. Si je vous dis, et si vous deviez choisir Paris ou Los Angeles? Je choisirais Paris parce que c'est différent pour moi. J'étais née à Los Angeles et maintenant je préfère cet environnement. C'est un changement de style de vie, des cultures, des communautés et ça me fait du bien. Vous avez choisi Vie comme pseudo. Pourquoi avoir choisi ce pseudo Vie ? C'est beau ! Ah, merci beaucoup. Parce que vous avez un joli prénom aussi, Violette, on peut le dire. Pourquoi avoir choisi Vie ? Oui, dans ce moment-là, j'étais dans une période où j'étais très détachée dans mes identités et mes loisirs. Mais j'ai choisi à faire la musique parce que ça m'a fait un sentiment très, très liberté. Et j'adore faire la musique et c'était simple. Et je voudrais alias ou pseudo, c'est ouais, en français pseudo. Ouais. Oui, en pseudo, simple parce que c'était la période pour moi où j'étais enlevée de toutes les complications et je sais que j'adore la musique et je suis vivre et c'est simple. Aussi, c'est en abréviation, c'est ça, de mon nom. Toutes mes amies m'appellent Vie ou Vai. Ah oui, Vai. Oui. Violette. Oui, bien sûr. Donc, ça semble familière pour moi. Ce n'est pas trop compliqué. Ouais. Et aussi, ça me donne l'espace pour grandir en tant qu'artiste. Alors, vous êtes née et élevée à Los Angeles. Vous êtes arrivée à Paris quand? J'étais arrivée en France, le banlieue de Paris. Dans les Yvelines en 2020. 2020. Oui, mais c'est quoi qui vous a amené à Paris? C'est pourquoi Paris? Pourquoi la région parisienne? Oui, j'étais un artiste visuel en fait d'abord, et je pense que c'était une bonne environnement pour découvrir moi-même en tant qu'artiste. Et après, j'ai changé à faire la chemin de la musique. Le chemin. Oui, c'est ça. Alors, les premières réalisations, vous le disiez, artistiques et transition vers la production musicale. Vous vous êtes tournée vers la production musicale en travaillant sur un projet d'art vidéo pour une exposition, et c'était en 2019. Mm-hmm. Vous avez commencé en tant qu'artiste visuel, finalement. Oui, donc j'ai commencé comme ça et j'avais un cours en fait de peinture. Oui, il y avait le dessin, la peinture, la sculpture et l'art vidéo. Oui, et mon prof de peinture m'a dit tu fais le mieux vidéo, donc c'est ok pour le final, pour ton projet, tu peux faire les vidéos. Et après ça, j'ai fait en collaboration avec un producteur. Il m'a montré un peu Ableton, il m'a aidé, et après moi toute seule j'ai travaillé sur Ableton. Ouais, c'est grâce à ce logiciel de production musicale qui est devenu un tournant enflammant une nouvelle créativité en vous. Vous avez commencé à mixer dans votre chambre? Oui, c'est ça, exactement. C'était sur un iPad d'abord, et ça c'était en France dans les Yvelines, et après
je suis retournée à Los Angeles. À Los Angeles. Et c'était là où je pouvais m'entraîner un peu plus sur un Pioneer DDJ-RB. Je pense qu'ils font plus ce modèle. Vous rêviez déjà de devenir artiste DJ et productrice? Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Vous vouliez, vous saviez que c'était votre direction, la direction à prendre? Oui, bien sûr, j'ai senti ça quand j'ai écouté plus de Kate Renata, de Sophie. Ces deux artistes m'ont inspiré beaucoup. Beaucoup, on va en parler. Mm-hmm. Votre parcours musical a commencé donc à Paris, où vous vous êtes plongé dans la production musicale, expérimentant avec de fortes influences de musique électronique, de la soul au hip-hop, à la musique latine. On le voit, votre style sonore est diversifié, mêlant harmonieusement des éléments de deep house, de techno, de rythme latin et d'afro et de hip-hop, d'industrial bass et de drum and bass et de jungle. Ouais. Comment définiriez-vous votre style par rapport à une autre artiste? Oui, je le définirais comme polyvalent, fluide, ouais. et avec des rythmes forts et des sonores... sonore innovative et non conventionnelle. D'accord. Mm-hmm. Wow. Comment votre expérience de la vie à Paris influence-t-elle votre musique électronique? Oui, la communauté de la musique, des DJ et de la danse aussi. J'ai commencé à prendre des cours de danse de house et j'ai fait la connaissance avec beaucoup de danseurs qui m'a montré un peu plus le scène underground et ça m'a ajouté une autre perspective et conscience quand je créais la musique, quand j'ai fait les sets. Donc je sens plus sensible quand j'ai fait la musique. La musique. Oui. Mm-hmm. En 2021, vous retournez à Los Angeles. Votre exploration sonore à travers la production et le DJing s'est poursuivie, j'imagine. Et vous faites là la rencontre de Caroline, une DJ expérimentée de la scène londonienne des années 90, connue pour son travail avec la drum and bass et la jungle. Elle vous apportait quoi, Caroline? Caroline était mon mentor. Mentor. Ouais. Mentor. Quand j'ai commencé à faire plus DJ, comme elle avait d'expérience, elle m'a donné des conseils. Elle m'a amené à les événements drum and bass and jungle. Mm-hmm. J'ai pensé que c'était pas une scène à Los Angeles, mais il y a des lieux où on pourrait aller écouter et profiter de la breakbeat. Ouais. Et elle m'a donné l'opportunité de mixer sur les CDJs parce qu'elle avait un studio en bas et elle était super ouverte. On a produit ensemble, on a mixé ensemble et elle était une bonne amie aussi. Une bonne amie aussi, ça a permis d'affiner votre voix peut-être en tant qu'artiste. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'influences, comme on a mentionné déjà, les breakbeats, le deep house. Et avec chaque personne que je fais la connaissance avec, ça me donne plus d'aide et soutien pour définir moi-même. Et aussi d'avoir l'espace pour explorer, expérimenter. Alors récemment, vous avez sorti un remix intitulé Nickel. Let Me Know. Ouais, Let Me Know. Uh-huh, c'est un remix, qui vous a permis d'exprimer votre amour pour la deep house et la R&B dans un projet de production. Quelles sont les influences artistiques qui ont joué un rôle important dans la formation de ce travail? Oui, Kate Renata, je vais dire Kate Renata beaucoup de fois, mais c'est parce qu'il fait le mélange avec R&B et hip-hop et deep house ou hip house très bien. Et j'adore le rythme. Donc lui et aussi Kelly Hand de la scène Detroit techno. Oui, sa production, j'adorais, notamment avec les percussions ou la batterie. La batterie, drums. Et oui, ces deux artistes m'ont inspiré beaucoup pour cette track. Quels sont les projets à venir actuels dans lesquels vous êtes le plus enthousiaste? Vous avez des choses qui arrivent là prochainement? Oui, bien sûr. Je travaille avec quelques artistes en collaboration. Une artiste
sur des projets pour Deep House et une autre artiste ici à Paris. On voulait sortir bientôt un EP avec un mélange des tracks underground, Deep House, électro, Deep Techno. Mais on est en train toujours de faire le processus créatif. Le processus, ouais. On aura ça, on saura ça comment ? Via vos réseaux sociaux, j'imagine ? Oui, bien sûr. Vous allez annoncer tout ça via les réseaux ? Oui, oui, Instagram, aussi SoundCloud. Oui, et bientôt Bandcamp. Mais plutôt Instagram. Et une dernière question, si vous deviez choisir plutôt peak time, plutôt closing ? C'est the beginning. Le début. Ouais. Allez, c'est le moment de monter le son. Je vous laisse rejoindre le DJ Booth. C'est juste par ici. C'est la DJ et productrice californienne Vi dans Miamao.